C'est un opéra parce que d'abord, on est au niveau d'énergie de l'opéra. Il s'agit là de personnes qui sont avec un corps en hyperconscience, comme le sont les grands interprètes d'opéra. Ensuite, on a aussi la transdisciplinarité. Et ici, c'est pareil. On a juste remplacé la scénographie par l'architecture, les acteurs par des Orlando qu'on va filmer partout dans le monde. Et la musique reste très centrale aussi. Finalement, je dirais qu'on est, comme l'a été l'opéra à toutes les époques, en train de refléter le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est en train de terminer une ère qui est en train même de s'effondrer assez évidemment, un peu partout. On sent qu'on était dans un système, qu'il soit économique, social, même un système de pensée binaire. Noir, blanc, homme, femme. Oui, tous ces rapports, tous ces rapports qui ont été très simplifiés. Mm-hmm. Et on se rend compte que c'était uniquement pour permettre une forme de domination beaucoup plus facile. Et puis, ça nous arrangeait bien de simplifier un petit peu ce monde.